Va-t'en d'ici. Oh non. Tu dois quitter la maison. Pourquoi tu fais ça? Va-t'en. Je ne veux pas te voir. Va-t'en. Quitte là. Et vous, allez-y, dehors. Dehors, j'ai dit que je ne vois plus entrer. Pourquoi vous êtes en train de faire ça? Où est-ce que vous irez avec ça? Hé, qui ouvre sa bouche là? Ferme vite ta bouche et quitte là. Tu commences à parler aussi comme ta mère. Écoute alors, si tu sais ce qui est bon pour toi, prends tes bagages et tous ces imbéciles que tu appelles enfants. Disparaissez d'ici. Parce que si j'entre et je sors, je te trouve ici, tu me verras. Tu es normal toi. Ne viens pas déranger mon portail. Dispersez. N'insiste plus notre maman. Tu la fermes, je vais te gifler maintenant. N'importe quoi. Pourquoi la vie me traite ainsi? Quel mal ai-je fait à Oba? Désolée maman, désolée. L'homme que j'ai poussé était censé me protéger et m'aimer. Pourquoi ce traitement, Oba? Maman, maman. Ouba, tu amènes une fille dans notre maison. Et si je réclamais, tu vas me taper. Ah! Tu vois ces juifs, hein? Tu auras de plus que ça et tu n'ouvriras plus ta bouche. Parce que tu commences à beaucoup parler, je vais t'apprendre comment la fermer. Papa, cette dame est belle plus que notre maman. Elle n'est même pas belle. Elle est belle de plus que ta mère. Est-ce que ta mère est belle comme elle? Regarde la figure de ta mère, mais regarde pour elle. Et toi, est-ce que tu fais une femme semblable comme toi? Une autre femme te le fera aussi. Tu la fermes. C'est quoi encore cette bêtise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vas-y, viens me taper. De toutes les façons, je suis habituée à... Tu la fermes. Venez mes filles. Tu vois, tu es ma femme, je t'aime. Maman, c'est comme ça que ça devait se passer. C'est toi que je vais marier. Oui, mon cher. Comment ça va? Ouais, ça va. Oba. Oui. Est-ce que je peux te voir pour une minute? Je crois qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème. C'est quoi? Qu'est-ce que tu continues à faire avec cette fille? Quelle question stupide comme ça. Tu veux savoir qu'est-ce que je fais avec elle? Tu me vas marcher avec elle. Elle est la mienne. N'est-ce pas cette fille qui cause des problèmes entre toi et ta femme? Qu'est-ce que tu continues à faire? Quitte-la avec des bêtises. C'est quoi ça? Écoute, Solo, si tu veux continuer à être mon ami, c'est mieux de contrôler les mots qui sortent de ta bouche. Est-ce que tu es un homme marié? Qu'est-ce que tu connais sur le mariage, hein? Ouais. C'est vrai vraiment que je ne suis pas un homme marié, mais j'ai grandi avec les parents. Et je connais comment est-ce que les choses se font. Je sais comment est-ce que les mariages sont gérés. Définitivement, ce n'est pas comme ça que toi tu fais les choses. Ferme ta bouche, qu'est-ce que tu connais concernant le mariage? Non, hein. Tu me parles de tes parents. Tout ce que tu dis là, c'est le passé. Mon frère, pardon. D'ailleurs, merci pour ton conseil. Vas-y là où tu vas et moi je m'en vais avec ma femme. Comment tu peux comparer mes relations avec les anciennes relations? Oh, mais tu fais les choses très mal, non? Ah. Tu perds la pédale, oh. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'aurais compris si la fille en question était jolie, mais celle-là, elle ressemble à un homme. Et c'est pour ça que tu te casses à mille morceaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, toi, hein? Et tu es en train de perdre la pédale, oh. Oh.
Ije. Arrête de pleurer. Je sais ce qui est arrivé. Voilà pourquoi je me suis décidé de te chercher. Arrête de pleurer. Solo, je fais une grosse erreur en épousant Ouba. Je vis dans ce mariage seul, je suis toute seule. Aujourd'hui, il s'est fâché. Il m'a tapé correctement à cause de cette fille. Et a même insulté ses enfants. Dis-moi, quel genre d'homme peut faire ça à sa femme et ses enfants? Qui peut faire ça? Ceci n'est pas le moment de pouvoir te condamner. Le vin tiré, il faut le boire. Ce n'est pas pour ça que tu dois aller décrocher la lune. Non. Regarde comment tu pleures et souffres. Ça ne va pas t'aider, toi et tes enfants. S'il te plaît, arrête de te faire émotionnellement du mal. Et de toutes les façons, j'ai essayé de parler en bas. Mais comme d'habitude, il m'a interdit de me mêler de ses affaires et de sa famille. Solo, dis-moi, qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce un crime d'épouser un homme que j'aime? Non, dis-moi. Ah, si je savais, je n'allais même pas épouser cet homme. J'étais avec lui pour l'amour et l'apparence. Peu importe le nom qu'un homme se déciderait d'appeler une soupe, et ce n'est que la vase et qui peut juger sa température. La violence domestique n'est pas l'apanage des hommes vrais. Et à ce point-là, il s'est condamné, hein? Ne sera pas quelque chose de bon. Et tiens bon, maman. Je crois fermement. Tout se passera bien. On est... Un jour. Tu as raison. C'est ma croix. Je veux la porter. Si on n'arrête pas cette dame, le pire arrivera. C'est compliqué cette idée. Tu peux arrêter avec ça. Si on l'arrête, papa n'aimera plus jamais maman. Alors, qu'allons-nous faire? Je vais penser sur ça. Tu dois le faire le plus vite possible avant qu'il vienne frapper encore notre maman. Cela n'arrivera plus jamais. Viens, on va aller chez maman. Allons-y. Que fais-tu? Écoute, j'ai besoin un peu de prendre douche. Hein? Alors, j'ai besoin que tu puisses pour moi de l'eau pour me laver. Ok, je vais préparer bientôt. Je vais faire ça après avoir terminé. Est-ce que tu es stupide? Tu veux que je te blesse avec le cou? Hein?
Qui t'a demandé de savoir ce que tu fais? Je t'ai dit, va me chercher de l'eau et tu me dis d'attendre. Tu finis d'abord à préparer et ensuite tu iras chercher pour moi de l'eau. Si je te donne la gifle, tu iras vite faire ce que je te demande. Va vite là-bas me chercher de l'eau à me laver. Va vite. Tu me demandes d'attendre. Je compte jusqu'à 5. Si je ne vois pas de l'eau, tu verras. Mon mari, l'eau est prête. Ok, je vais aller prendre douche. Dès que je finisse à prendre douche, je vais que tu sois sûr que le repas est prêt. Ok. Si je finis et que je trouve que le repas n'est pas toujours prêt, tu vas recevoir. Ça, c'est quoi? Le riz à la sauce. Le riz à la sauce? Pourquoi le riz à la sauce? Hein? Pourquoi n'as-tu pas préparé même les ignames et la viande? Tu devrais préparer même autre chose, comme la morelle, ou bien même les amaranthes. Pourquoi tu as préparé ceci? Mon mari, je pouvais faire ça, mais je n'ai pas assez d'argent pour préparer tout ça. Tu vois, toi? Tu vois comment tu es inutile. Je m'étonne quand l'argent est prêt pour dépenser pour moi, tu y es jalouse. Ta jalousie est dépassée. Regarde d'abord ce que tu me serves. Hein? Vraiment, je ne vois pas ton importance dans cette maison. Tu es inutile. Rien de bon de ta part. Tu as préparé les riz. Est-ce que tu avais bien regardé les riz dont tu as préparé? Toutes choses sont foutues, gâchées. Même le simple riz, tu n'arrives pas. Ça, vraiment, c'est la jalousie. Tu as vraiment gaspillé tout ton temps à préparer du riz. C'est la pauvreté mentale. Elle a atteint le cerveau. C'est quoi vraiment avec toi? Chaque moment, il faut toujours crier, crier, crier. À tout celui que tu vois, tu lui dis que je te maltraite. Apprends à préparer quelque chose qui va plaire à mon cœur. Ça fait que le riz que tu vas gagner mon cœur? Hein? Regarde d'abord le riz. C'est quoi ça finalement? C'est de la jalousie. Je goûte un peu. Si c'est mal préparé, je vais te frapper. C'est mal préparé. Le riz que tu m'as servi n'est pas cuit. Hein? Il y a une raison que je vais accepter cette nourriture. Je refuse que ce soit une perte pour nous. Oh, c'est fini, c'est bien préparé. Ça, c'est à manger pour les zombies. Ce n'est pas parce que j'ai faim. Parce que ce n'est pas ça qui va finir ma faim. Et tu t'appelles aussi femme mariée. C'est ça, être femme mariée. N'importe quoi. Il n'y a rien de bon de toi. C'est quoi ça? Regarde la viande, trop petite comme mes doigts. Il n'y a pas même assez de la viande. Tu as mis le piment et alors les crevettes. Quitte là, tu ne sais pas préparer les crevettes. Est-ce qu'il y a moyen que tu les prépares ici? Au lieu de préparer les crevettes, tu mets les épices. C'est ça.
C'est quoi? Pourquoi tu fais souffrir notre maman autant? Quelle question stupide comme ça? Ce n'est pas une question stupide, c'est cette dame-là qui est... Ferme-la, mouche! Ne l'incite pas pour cette dame-là qui a perdu son mari et que tu es devenu son mari. Arrête ces bêtises. Je vois que l'attitude de votre maman commence à se manifester dans vos corps. Je peux voir le mauvais comportement de votre maman se manifeste dans vos corps. C'est quoi ça, cette bêtise? Ça vient d'où? Écoute, un mot de plus venant de vous... Et faire quoi, papa? Tu dois avoir honte d'avoir amené une autre femme dans notre maison. Ok. Je vois. Je vois. Laisse-moi croiser aussi les bras comme toi. Parce que ce que je vois en toi maintenant, c'est ta maman. Elle t'a envoyé. Sors à l'extérieur, trouve ton père, confronte-lui, jette-lui la bombe. Honte à toi. Tu l'as fait? Adi, mon numéro 1. Unique fille que le Dieu a béni avec beaucoup de beauté. Bébé. Je t'aime beaucoup. Ouba. Tout ce que tu dis là, est-ce vrai? Tout ce que j'ai dit est vrai. Tu le penses? Je t'aime, oui. Unique chose dont j'ai besoin de faire maintenant, c'est te marier. Ouba. Il faut être sérieux. Par moments, je ne comprends pas quand tu es sérieux ou tu fais des aventures. Tu crois comme si je blague? Tu fais toujours des blagues. Comment pourrais-je blaguer avec toi? Or, je dis de tout cœur. Je ne blague pas. C'est vrai. Ce qui me reste est de venir chez vous, donner la dot et tu deviens ma femme. Oui. Tu n'as pas vu l'humeur que j'avais quand je venais vers toi? Comment j'étais positif? En plus, tout celui dans cette communauté, tout homme qui te provoquera. Je vais anéantir les personnes. Je vais me battre pour toi. Ha! Oui. Mais draguer. Ouba. Je t'appartiens pas encore. Pourquoi tu veux te battre à cause de moi? Je vais me battre pour montrer combien je t'aime. Te montrer le niveau de l'amour. Te montrer la mesure. Te montrer la manière. Te montrer comment... Ok, j'ai compris. Aïe, baby. Aïe, Dieu, mon amour. T'en fais pas, je vais réfléchir à tu n'as pas droit à penser à quelque chose. Tu as droit à tout. Tu les reçois déjà. Par mon pouvoir. Regarde, Oba, il y a quelque chose vraiment que je voulais te dire. C'est quoi? C'est à propos IJ. Je l'aime beaucoup, mais le problème est que je ne sais pas comment lui en parler. Qui t'a dit que tu as seulement ça comme problème? Tu en as assez beaucoup. Tu n'as pas la capacité de faire ce que tu dis. Comment tu cherches à aimer une femme comme IJ? Ça, c'est quel genre de bêtises tu me racontes? Ça, c'est quel genre d'insulte, vraiment? Est-ce parce que je t'ai fait savoir mes intentions? C'est une intention stupide. Comme nous sommes tentés de parler avec toi, c'est moi qui suis son mari. Je lui ai demandé de me marier, à l'instant j'entends que sa réponse. Il a besoin d'un homme comme moi. C'est lui qui peut la protéger, c'est lui qui peut la montrer, l'amour réel. Quitte-la, tu es comme une poupie, très sale, ne me dérange pas. Je n'apprécie pas ce genre de bêtises, mon cher, ne les répète plus jamais. Comment peux-tu m'insulter parce que je vais dire à une fille combien je l'aime? C'est pour ça que tu vas m'insulter. Recommence encore. Tu lèves aussi ta voix? Oui. Tu lèves aussi ta voix? Tu lèves pour moi la voix? C'est quoi avec toi? Écoute, pour ton information, laisse cette fille calme. Je ne fais pas les problèmes. Je viens de te dire que tu es une poupée et très sale. Regarde-toi, tu ne feras rien. Tu ne feras absolument rien. Et je me fous de toi. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu es capable de faire quoi? Tu me défies? Tu n'es qu'un fou. Tu m'insultes? Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Tu enlèves même les babouches. J'ai déjà enlevé les babouches. Je suis prêt pour la bagarre. Oui, je veux me battre. Ok, sans problème. Oui, commence alors. Tu n'es pas fort comme toi. Je vais me battre pour l'amour. Tu t'inquiètes toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Je vais te frapper. Je vais me battre pour l'amour. Ok, pas de problème. Je ne vois plus t'avertir encore. Tout ce que je vais demander à IJ, n'ouvre pas la bouche. Ne le répète même pas. Si je te vois avec cette fille, tu verras. Regarde ton niveau.
Tu es un faux, tu ne feras rien, tu ne feras rien. Attends, tu verras. Je t'ai dit que je l'aurais, c'est quel genre de bêtise. Hein? Je ne peux pas parler à une femme que j'aime juste à cause de toi. Tu es qui, toi? C'est à cause de Adjé. Dis-moi que c'est une blague ou... Comment ils peuvent se battre à cause de moi? Ma chère, tout ce que moi j'ai entendu, c'est laisse Edje pour moi. Laisse Edje pour moi. Je dis laisse Edje pour moi. Solo, laisse Edje pour moi. Oba, laisse Edje pour moi. Ah, je ne sais pas. Eh, ça c'est sérieux. Ok. Hier, Oba était chez nous. Et il a fait ses déclarations qu'il a envie de m'épouser. Et il a beaucoup parlé. Je l'ai juste écouté, je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. Mais comment est-ce qu'ils peuvent se battre à cause de moi? Je dois sincèrement le parler. Ce sont de meilleurs amis. Ils ne peuvent pas se battre à cause de moi. Pardon. Tu dois leur parler, comme ça, ce n'est pas bien. Ou soit encore, envoie l'un d'entre eux venir vers moi. Tout pour toi. Tu veux maintenant blaguer, c'est ça, non? Ok, pas de problème. Va rejoindre Solona. Solo. Ah, Edje, regarde-toi, tu es brillante. Comment tu vas maintenant? Je veux bien. Je suis en route vers ta maison. Moi aussi, j'étais déjà en route vers chez vous. Oui. C'est bien qu'on s'est retrouvés. Oui. Solo. Hein? Pourquoi tu t'es battu avec Oba à cause de moi? Non, je ne m'étais pas battu contre Oba à cause de toi. La vraie question avec tous ces problèmes, c'est que j'avais ouvert tout mon cœur à Oba. Je lui avais fait savoir mes intentions. Est-ce que tu comprends ça? J'avais vraiment essayé de lui dire combien je t'aime. Et combien je voudrais te parler. Et combien je voudrais être proche de toi. Et aussi combien je voudrais faire de toi mienne. Et il était juste bourré de jalousie, plein d'envie, de convoitise. Du fait de voir que j'étais vraiment amoureux de toi. Juste parce que je planifiais comment t'en parler. Je comprends. Mais la vérité est que vous deux, vous êtes amis. Oui. Et vous ne pouvez pas vous battre à cause de moi. Pardon. C'est bon. Oba m'a parlé de ses intentions envers moi. Mais je n'ai pas encore accepté. Et toi également aussi avec tes sentiments. Je n'ai rien dit du tout. Pourquoi vous vous battez? Le comble, c'est que je... Il est vrai, tu sais, Je n'ai pas encore fait savoir mes intentions. J'étais en train de le planifier, de te faire savoir mes intentions. Tu comprends? Quoi? Solo, s'il te plaît, arrête. Tu sais, un autre problème, c'est que j'ai dit à Oba que j'aime bien ton visage. Et juste parce que j'avais dit que j'aime ton visage. Et puisqu'il sait que quand j'ai dit que j'aime bien le visage d'une belle fille, et cela signifie que je vais faire cette chose-là. Une chose de plus, hein. Une chose, hein. Je voudrais te dire ceci. À partir d'aujourd'hui, je vais changer son nom là de IJ. Et je vais commencer à t'appeler Penzo Wangu. C'est quoi ça? Mon amour. C'est bon. Et je vais commencer à dire Nakupenda. Nakupenda Kamasukari. Nakwambia Kyole Sicily. Vous ne devez pas vous battre à cause de moi. Je n'ai pas dit oui à Oba et je ne sais pas si je le ferai. Idi, je t'aime. J'ai besoin que tu acceptes ma demande. Accepte juste ma demande. Je te demande d'écouter ton cœur. Tu sais que tu aimes entre nous deux. Mais je voudrais que tu saches que je t'aime beaucoup. Ok, tous les deux vous m'aimez et je vous aime aussi. Mais s'il vous plaît, je veux que vous me donniez du temps pour que je puisse réfléchir et savoir avec qui je dois passer le reste de ma vie. Hein? Et je ne veux pas que vous deux vous vous battez à cause de moi. Et maintenant, je veux que
Vous, monsieur, vous vous embrassez et redevenez des amis. S'il vous plaît. Solo. Ouba. Ichi, maintenant que tu les as réconciliés, quel est ton plan? Je sais pas, je n'ai aucun plan. Ok. S'il faut que tu choisisses entre Oba et Solo, qui vas-tu choisir? Solo. Solo, c'est un bon gars. Mais mon problème avec lui, c'est qu'il procrastine beaucoup. Il paraît une personne trop secrète. Mais de l'autre côté, Oba, lui, il parle. Il est jovial, beau, il sait ce qu'il veut. Je pense qu'il me plaît. Quoi? Mon ami, s'il faut que je choisisse à ta place, je choisirai Solo. Solo? Oui. Non. Ichie, pourquoi tu pleures comme ça? La journée est tellement mauvaise pour Oba. Tu as ici seulement je t'avais écouté. Tu es déjà dedans. Tu peux faire avec, mon ami. Comment puis-je supporter ça? Non, tu dois être forte. Chaque mariage a un défi à relever. Et voici le tien. Pendant combien de temps dois-je continuer à supporter? Je suis perdue. Je n'arrive plus à supporter. Agui, pour ce que je viens d'entendre, cela explique que Oba n'est pas prêt pour le mariage. Cela veut dire rester là-bas, c'est perdre ton temps. Prends tes enfants et reviens à la maison. Ça, c'est la maison de ton père. Je veux prendre soin de vous. Vous serez tranquille ici, hein? Maman, je connais Oba. Il va changer. Tout ce dont il a besoin, que quelqu'un lui parle. Il a besoin que quelqu'un lui conseille. C'est juste ça. C'est comme ça que tu crois? Oui, maman. Si c'est ce que tu crois pour qu'il revienne à ses sens, j'irai vers lui. Et d'ailleurs, je voudrais vous parler, vous deux. C'est ce que tu veux. Merci, maman. Je t'en prie. Qu'est-ce que nous allons faire avec ça? Je veux que tu suives mon idée. Ton idée? Quelle est ton idée? Suis-je ce que je suis en train de faire? Tu vois cette eau et ces piments? Nous allons les mettre à une personne. Et nous allons les faire comment? T'inquiète, tu verras. Oui, tu as dit que je dois soutenir ton idée. Exactement. Ce que tu es en train de faire est un très grand crime devant Dieu et les hommes. Mais comment tu fais tout ceci, hein? Comment tu peux aller dans la maison d'un homme marié afin de coucher avec lui sur son lit conjugal, hein? Est-ce que c'est normal, hein? Oba est un homme marié. Même si tu dois coucher avec lui, que ça ne soit pas sur son lit conjugal, que ça ne soit pas dans sa maison. Il y a beaucoup d'auberges, il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup de gens de guest house. Vous pouvez paisiblement y aller, hein? Ce n'est pas comme ça, si tu as envie de coucher avec lui, que tu puisses aller même sur son lit conjugal. Un homme marié, tu couches avec lui. Tu ne penses même pas à ses enfants, hein? Tu ne penses même pas à la traumatise. La douleur émotionnelle, le fait que tu brises son cœur, que tu infliges à sa femme, aux démons. Solo, hein?
Tu vois, Oba, je ne veux pas arrêter de lui voir. D'ailleurs, nous avons le plan de nous marier. Si Idi est mère aujourd'hui, nous allons nous marier. Donc, tu vois. Et tu vois ce que tu fais, hein? Tu vois les genres de prédispositions d'esprit que tu y as, hein? Je suis vraiment déçu de toi. Je ne peux pas te laisser détruire les gens comme ça, hein? As-tu déjà entendu parler du karma avant? Il y a quelque chose qu'on appelle karma. L'action et la réaction, l'égalité et l'opposé. C'est la loi de la nature. Ce que tu as semé, c'est ce que tu récolteras. Laisse-moi te dire ce que tu ne sais pas. Tu vois toutes ces petites filles qui sont en train de passer les examens. Tu les vois? Et même celles qui ne sont absolument rien, qui ne connaissent absolument rien, hein? Sont celles-là qui coucheront avec ton mari dans les futurs. Et quand ça aura lieu? Rappelle-toi, c'est parce que tu commettais les mêmes bêtises aujourd'hui. Est-ce que tu fais à une autre femme aujourd'hui? Il y aura des petites filles qui te feront la même chose, même à ton mari, dans le futur, au demain. Solo, hein? Attends, n'oublie pas que c'est Oba qui est venu vers moi. Il a été séduit avec tout ceci. Je n'avais pas le choix, je ne devais que l'aimer. Alors, arrête un peu ce que tu fais là. Tu n'es pas de ma faute, s'il te plaît. Hein? Est-ce que c'est de ma faute? Toi, hein? Et ce n'est pas bien que tu puisses être en train d'agir comme ça. Regardez-moi cette fille. En te regardant comme ça, je ne sais même pas ce qu'Oba voit en toi. Et comment Oba peut laisser une femme qui a beaucoup de formes et de rondeurs, hein? Pour chercher une femme comme toi. Est-ce que toi, tu es une femme? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vraiment Oba a des yeux pour voir les choses? Je crois que c'est seulement un envoûtement. Oba, tous les deux n'êtes plus des enfants. Vous êtes adultes. Restez tranquille. Vous devez apprendre à régler vos problèmes. Ok, le mariage n'est pas facile. Votre mariage est rempli de problèmes. Je suis venue ici juste parce que je suis une mère. Je ne suis pas censée d'être ici en premier. Vous deux, vous êtes de grandes personnes. Oba, s'il te plaît. Tu sais, même si ta femme est mauvaise, ce n'est pas propre pour toi d'amener une autre femme dans ta maison. Tant que ta femme vit dans la même maison. Même si c'est un démon, tu peux avoir, si tu veux, une copine. Amène-la n'importe où. Vivez à l'extérieur, mais ne l'amène pas chez toi à la maison. Bam! Je t'en prie. J'aime vraiment la façon dont la discussion est en train d'évoluer. Tu es d'accord maintenant avec moi que ce n'est pas mal d'avoir une petite amie. Le mal qu'il y a ici, c'est de l'avoir amenée à la maison. Ok, c'est noté. Je vais vous demander d'abord, maman. Où est-ce que je devrais amener cette fille d'après toi? Ok, tu voulais que je l'amène à l'hôtel. Tu sais combien coûte la chambre? Quand tu es à l'hôtel, il faut chercher à manger. Chercher aussi à boire. Tu vois beaucoup gaspiller. Où j'allais l'amener à ta maison? Non. Je me suis dit, pourquoi je vais me tracer tant que j'ai la maison? Alors je l'amène seulement à la maison. Ça, ce n'est pas tricher. Je l'ai fait clairement. Oh bah, tu es obligé d'avoir une copine. Elle, c'est ta femme. Et Dieu vous a béni avec deux intelligentes et jolies filles. Si tu n'aimes plus ta femme, mais regarde tes enfants. Pour l'amour de tes enfants, rends cette maison joyeuse. Ne les pousse pas à la tristesse, je t'en prie. Maman, pardon, si vous n'avez pas d'autre chose à dire, j'ai besoin d'aller quelque part. Je vais entrer un peu à l'intérieur, me préparer et ensuite je vais me déplacer. Merci. C'est quoi m'embêter avec beaucoup de questions comme ça? Ça, c'est l'homme que tu es en train de dire à tout moment que tu l'aimes beaucoup et tu as besoin de passer le reste de ta vie avec lui. Cet homme fou, habillé, c'est vraiment cet homme? Non, 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 je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que tu as été toujours un rêveur. Oui. Tu planifies quelque chose, tu l'accomplis. Content de toi, ou je n'aime pas ce genre de petit travail. J'aime faire les choses selon la conduite de mes parents. Et tu l'as toujours été. Oui, c'est ça. Appelle-moi comme ça. Je suis un chasseur de billes. Je suis content de toi. Merci. Félicitations. Merci. Bonne nouvelle. Tu sais, regarde, il y a autre chose encore. Une autre nouvelle. C'est une nouvelle. Tu as acheté une maison. Attends, c'est une nouvelle. Je ne sais pas. Le comble, c'est que à propos de toi et de ta femme, Idi.
Oui, et c'est juste parce que je veux parler de toi et de ta femme que tu me regardes comme ça. Mais je veux seulement en parler. Ta façon de traiter la femme n'est pas bien. C'est impropre. Parce que les vrais hommes ne frappent pas leur femme. Tu maltraites ta femme. Hein? Qu'en est-il? Et si elle meurt, quand tu la frappes? Hein? Ce n'est pas bien à un homme de maltraiter sa femme. Hein? Considère quand même tes enfants. Et une chose que je ne voudrais pas entendre, c'est que toi, mon ami, tu as tué ta femme. Hein? Quoi qu'il en soit, il faut toujours considérer tes enfants. Elles sont toute ta richesse. Homme de ville, je t'ai entendu. Mais tu dois aller la rencontrer. Elle ne peut pas manquer dans une réunion pareille. Dis-la de s'occuper toujours avec ses affaires. Moi, je n'ai pas de problème. C'est comme si j'ai beaucoup d'énergie à frapper. J'aime que tout le monde s'occupe de ses affaires. Bien, je vais faire ça. Je vais l'appeler et je vais lui parler. Mais c'est toi l'homme dans cette famille. Quand une femme te provoque, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est vraiment que tu puisses lui laisser la maison. Oui, ne reste pas là à faire des jets de main. Tu la frappes, elle te frappe. Tu me frappes, moi aussi je te frappe. Hein? Je dis non, moi je dis oui. Le mien à faire, c'est de quitter la maison. Tu vas chercher un bar proche de la maison. Et tu y vas vraiment. Et puis tu t'achètes quelques bouteilles de bière. C'est si simple que ça, non? C'est sûrement si simple que ça. C'est ce que les bons hommes font. Il y a seulement deux choses dans tout ce que tu dis. Il y a la bière et le bar. Et les bars. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller au bar pour prendre la, bière. Ça, c'est le meilleur conseil que tu m'as donné. Oui. Il faut avoir d'abord la force avant de soutenir cette idée. Bien. Comme tu pars en ville, oui, commence déjà à épargner 500 ou 1000 naira. Tu peux te retrouver avec une bonne somme. Alors, à tout moment que je veux, rappelle-toi de l'argent que tu gagnes. Prends cet argent, c'est pour la bière. La bière et le bar, il y a toujours des BBB. Les gens qui se battent, doit-il prendre de la bière? Bien. Tu sais, pensant à cette question, je pense que la meilleure chose à faire, c'est que... dès que je vais recevoir mon premier salaire, je ferai... j'en créerai un compte et je commencerai à t'envoyer. Oui, c'est pour la bière. Et juste comme tu as dit la bière, B... pour la bière, bar, B pour le bar, B pour battre, B. Au lieu de prendre la bière et rentrer à la maison, comme ça tu vas l'embrasser et... comme ça tu la caresses, C. Et puis tu la mènes au lit, elle. Ah. C'est comme ça que les bons hommes réagissent. My love, we are meant to live as one, no matter what it may cause. Solo. Comment ça va? Je veux bien. Tu parles si jolie. Merci. Regarde, je viens de ta maison. Hein? Oui, j'étais parti voir ton mari pour lui dire que j'irai à la cité demain matin. Pour la ville? Oui. Il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? C'est quoi la nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un job à la cité. Et je dois assumer mes responsabilités dans mon nouveau bureau après-demain. Donc je dois être là demain. Vous comprenez? Wow. C'est vraiment ça. Félicitations. Je suis très contente pour toi. Ne vous en faites pas. Une chose de plus. Tu sais que tu es vraiment précieuse pour moi, comme mon amie depuis longtemps, hein? Une chose que je ne voudrais pas entendre est que, comme je suis en train d'aller à la cité comme ça, qu'on m'informe qu'on t'a tué, que tu es morte entre les mains de ton mari. Il ne va pas me tuer. Je ne voudrais vraiment pas que ton mari puisse te faire frapper comme il l'a toujours fait dans le passé. Alors s'il te plaît, je voudrais vraiment que tu puisses prendre soin de toi. Ok, je t'ai entendu. Oui. Je ferai de mon mieux pour être en bonne santé. Yo, yo. Pourquoi tu fais ça? C'est à toi. Tu es une fille. Tu es vraiment une fille. Regarde-toi. Regarde-toi d'abord. J'ai un job pour toi. Oui, oui, il y a une tâche. Il y a quelque chose que tu dois faire pour moi quand je vais quitter ce village. Ok, j'ai entendu. Tu sais très bien que tu es la seule qu'elle écoute. Hein?
Une fois que je vais quitter ce village, je voudrais que tu puisses être la seule à la conseiller. Surveille bien ses actions. Continue toujours à la garder. Hein? Et pour qu'elle puisse faire attention à son homme violent et agressif. Vous allez m'excuser, mais je ne suis pas la conseillère de cet horrible couple. Hein. Arrête ça, nous ne sommes pas un couple horrible. Tu dois bien faire ton travail. Oui, en tout cas, je voudrais que vous puissiez prendre soin de vous. Oui. Solo. Arrête d'accord. Ça, non. For better, for worse, so we gon' live together. What have I done to you? We are meant to live as one, live in peace and harmony. Mon ami, pour être honnête avec toi, Solo t'aime beaucoup. Mais qu'est-ce qui ne va pas entre Oba et ton mari? J'ai pensé que tu avais fait un bon choix. Si je pouvais rentrer en arrière, je m'aimerais épouser Solo. Mais ma copine, le mariage est pour le meilleur et le pire. Je crois que Oba finira par changer. Et si jamais il ne changeait pas, tu resteras comme ça tout le reste de ta vie? C'est bien ça. Ouais, je ferai un effort de tolérer et d'accepter tout ce que je vois. Avec espoir qu'il changera pour le meilleur. Ok, je ne vais pas beaucoup commenter. Je respecte ton opinion. Mais moi, Joy, je ne peux pas tolérer ce qu'Oba fait. Je ne peux pas. C'est ce qui fait notre différence. Sérieusement, nous sommes différentes. Et moi, Ijoma. On n'est pas pareil. Je fais un effort de tolérer seulement. Attention, tu risques de mourir. Obi, tu sais que je t'aime beaucoup. Je veux juste que tu m'accordes une dernière chance. Oublie cet homme marié avec ses bêtises hein, et essaye d'oublier. Écoute, si tu veux me parler, parle-moi directement. Laisse Oba tranquille. Nos deux, on ne s'entendait pas. Oba m'aime beaucoup et moi aussi je l'aime. Marié ou pas, je suis contente d'être avec lui. Alors, arrête de te déranger toi-même. Je vois, Obi. N'oublie pas que je suis un bon garçon. C'est pas Obi. Ton mari voulait te tuer à cause d'elle. Ça, c'est bien fait pour lui. Il me trompe avec cette fille, n'est-ce pas? Laisse-la aussi le tromper. On y va. Et wow. Yeah. Je vais te rendre beaucoup plus heureuse qu'Oba. Je mettrai du lait dans ton thé et je mettrai beaucoup de choses dans ton pain. Parce qu'on t'a dit que mon père manque de quoi mettre. Obi, tu as toujours dit que j'étais triche avec d'autres filles. Non, si je ne t'aimais pas, je ne serais pas ici en train de te dire pardon. Est-ce que tu comprends? Il n'y a rien que je puisse faire maintenant. Ce que tu dois savoir est que j'aime beaucoup Oba. Je n'apprécie pas comme tu me pousses à laisser Oba et de t'accepter. Obi, Oba est un homme marié. Ne sois pas là pour briser le mariage d'une autre personne. Je ne brise pas le mariage d'autrui. Je construis pourtant la mienne. Si le mariage était en forme, pourquoi il se bat en tout moment? Obi, il est vraiment évident que tu es la raison de leur problème. Oui. Je ne suis pas la raison de leur problème. Si elle était une bonne femme comme tu le prétends, elle allait tout faire pour que son mari ne cherche pas ailleurs. Écoute, une femme qui n'est pas capable de prendre soin de son mari le pousse dehors. Alors, je ne suis pas la raison de leur problème. Moi, je vais me marier avec Oba. Il m'aime beaucoup et tu n'as pas idée de ce qu'il me fait ressentir. Excuse-moi, contrôle tes langages. Écoute-moi bien, ne mords pas quelque chose plus dur que des dents. Et ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Je te ferai des choses que tu n'as jamais vécues. Mon mari, bon après-midi. Arrête-toi ici.
D'où est-ce que tu viens? J'étais allée voir ma maman. Tu étais allée voir ta mère? Oh, parce que tu es allée voir ta mère, c'est pourquoi tu as décidé que je meurs de faim. Hein? Pourquoi tu ne m'as pas laissé à manger? Ah. Tu souhaitais que je meure de faim? Non, j'ai laissé un peu d'haricots dans l'assiette. Ces peu d'haricots là va te tuer. La foudre va te frapper et frapper le peu d'haricots. Pourquoi tu m'avais laissé peu d'haricots? Un grand homme comme moi, tu me laisses peu d'haricots. Où sont d'autres alors? Hein? Comment je peux en avoir peu? Et si c'était toi, ça allait te convenir? Alors, je sors maintenant le peu d'haricots que tu m'as laissé. Et si ces peu d'haricots là finissent dans mon corps avant que j'arrive là où je vais? Tu me laisses peu d'haricots. Si je te touche, tu vas dire que j'ai commencé. Ta face là est bonne seulement pour frapper, pour chauffer ton cerveau. Pour ton information, je sors. Si je reviens et que je n'ai pas trouvé à manger, voilà, tu auras vraiment chaud. Que je trouve seulement à manger, d'ailleurs, que le repas m'accueille. Si j'ouvre seulement la porte, que je trouve seulement à manger ou quelque chose que tu as déjà préparé. Que je trouve seulement un bon repas qui m'accueille. Que je trouve à manger quand je vais rentrer. N'importe quoi. Laisse-moi passer. Je dis laisse-moi passer. Tu bloques mon passage. Laisse-moi passer. Comme tu entres là, commence déjà à préparer un bon repas. Est-ce que papa part? Peut-être qu'il part dans la maison de sa petite amie. On peut le suivre et voir où habite sa petite amie. Je pense que tu as raison. Oba, c'est moi que tu es en train de passer comme ça. Tu n'as aucun respect. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Hein? Dis-moi, tu veux que je fasse comme quoi? Comme un homme normal, saluer ta belle-mère. Ok, t'es salué. Oui. Normalement, quand je passe et je reviens, il faut te saluer. Bon après-midi, belle-mère. Ça, c'est mes... Non! Tu ne le mérites pas. Quel genre de stupidité? Qui t'a donné le droit d'être ma belle-mère? Tu es ma belle-mère en quoi? Hein? Réponds-moi, je te pose la question. En quoi tu es ma belle-mère? Toi? Ce n'est pas à cause de ta fille qui veut me laisser mourir de faim? Hey. Au lieu de venir prendre ta fille, tu ne veux pas. Tu veux qu'elle me tue? Pas de problème, tu ne resteras pas. Je te connais. Ça ne m'étonne pas pourquoi ton mari est mort avant. Tu as tué ton mari avant pour les trésors et la prostitution. Maintenant, tu veux que ta fille me tue? Ça ne marchera pas. Je suis prêt pour vous deux. C'est pourquoi quand tu me vois passer, tu viens aussi passer pour me demander laisse-moi le passage. Belle-mère inutile. Oh. Inutile belle-mère. Tu ne l'es pas d'ailleurs. Tu es sorcière. N'importe Oba. Quoi. Oba. Tu veux me tuer. Regarde-le, il se croit en vie. Il ne sait même pas parler. Sûr, un idiot.
Obi. Tu es très belle. Merci. Tu sais quoi? Je te vois après. Hein. Prends soin de toi. Toi aussi. Merci. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Ah ah! Qu'est-ce que j'ai vu? Je vous ai aperçu à deux en train de parler. En train de rire et faire passer la main comme ça. C'était quoi? Ce n'était pas toqué? Non, ça va. Tu l'as abandonné? Non, mais il m'a demandé, mais je refusais. Ok. Il a voulu que je parte avec lui, mais je refusais. Et puis, il m'a forcé. Ok, il s'est forcé lui-même à toi. Hein? Je le croyais être banni. Non. Il a forcé aussi à t'embrasser? Et non. Il part en te faisant ça comme ça? Je faisais pas ça. Tu me dis la vérité? Oui. Il s'est forcé lui-même à toi? Oui, il m'est forcé. Ok, va me répondre. Ok, va me répondre. Ok? 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 Il est parti. My love, we are meant to live as one, no matter what it may cost. Come rain, come sun, we go live together. For better, for worse, we go live together. What have I done to you? We are meant to live as one, live in peace and harmony. Make nobody put us under. But you are treating me so bad, when we live in Melegio. I perceive where I love, now him they treat me like this, because of love. Don't enter part of soup. I know no say love will day like this, yeah. This love will don't kill me, yeah. It's a love and make me fall. I'm not a cardiac. We're never. I'm gonna live a melagio. I seem can do a gear. I'm gonna live a melagio. I see body. I'll be more. On your moron, nanya. Una fuga y vela. Ok? Oba, pourquoi tu m'appelles? C'est quoi le Non, non, il n'y a pas de problème. Tu cherches l'adresse ou quoi? Je venais de te voir. Ma petite amie m'a confirmé que tu l'as forcé pour l'embrasser. Pourquoi tu as fait cela à ma femme, librement et en cours de route? Oba, tu sais quoi? Tu n'es rien d'autre qu'un adjebo, un fou même. Ok? Oba, n'oublie pas que tu es un homme marié. Tu ne t'es pas supposé faire ça. Ok, je vois. Alors regarde. Les gens risquent de nous voir ici et ça ne sera pas profitable pour toi. Allez, ferme la bouche, je te pose la question et tu me parles de bêtises. Pourquoi tu t'es forcé à embrasser ma femme? Et tu me parles beaucoup de français. Oba. Hein? Oh, elle a dit que je la force. Hein? Oui. Alors elle t'est mort. Tu la fermes, stupide. Je te dis ce qui est vrai, tu me dis je trompe. Qui es-tu? Parle encore de bêtises et tu verras ce qui va t'arriver. Tu la fermes, sinon je vais mal te frapper jusqu'à la mort et tu ne feras rien. Attends, ah, mais non. Ah. Malade. Massi, Ifi, où sont partis ces enfants? Hey, Massi, Ifi, d'où venez-vous? On avait suivi papa pour voir où habite sa petite amie. Vous avez fait quoi? Oh mon Dieu! Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous aviez vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a frappé papa lorsqu'il parlait de sa petite amie. Oui, cet homme a frappé papa. Hé! Hey.
Oh, mon mari, tu es de retour. Va à l'intérieur, chauffe-moi de l'eau pour me masser le cou. Et tu pars même. Non, tu t'en vas? Je dis, va me chauffer de l'eau et tu t'en vas. Pourquoi tu vas me chauffer de l'eau? Vraiment une femme normale. Va s'en soucier de son mari. Ah ah! Qu'est-ce qui t'est arrivé, oh? Laisse-moi voir, oh. Laisse-moi le sentir. Laisse-moi le toucher. Laisse-moi savoir plus. Hein? Désolé, oh. Désolé pour toi-même. Ah. Va chercher de l'eau, va chercher de l'eau, va chercher de l'eau. Ok. Qu'est-ce qui vous fait rire? Nous avons vu une personne te frapper comme un bébé. Hé, papa, tu n'as pas la force. Ferme ta bouche. Dégagez-vous d'ici. C'est pas bien ce que tu as fait. Comment tu pouvais lui taper comme ça? Obi, il m'a forcé. Il m'a vraiment forcé. Crois-moi, il m'a forcé. Obi, il m'a frappé en premier. Crois-moi, je n'avais pas l'intention de lui battre. Je n'en avais pas vraiment. Il m'a dit, regarde, je t'ai vraiment forcé à te battre. Hein? Je t'ai vraiment forcé à te battre. Obi, regarde, ce n'est pas seulement à cause de l'amour que j'ai pour toi. Obi, c'est ta faute. C'est vraiment ta faute. Comment ça, ma faute? Donc, tu voulais que j'accepte que je t'avais embrassé, c'est ça? Tu es un homme méchant. Je suis déçu de toi. Oh, Obi, viens. Laisse-moi. Obi, viens. Obi, please, s'il te plaît, viens, non. C'est à cause de ces fous-là, des séparateurs de mariage que tu veux me quitter, vraiment. Et moi, à cause de ces fous-là. Obi, je t'aime beaucoup. Je ne peux rien faire sans toi. Tu vois tout ce que tu as sur ton corps-là, hein? On veut te chercher partout. Tu vas au Pacala, ce n'est fait absolument rien. Obi, viens, pardon. Aïe! Attends. Désolé. Lentement. Désolé. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelle question stupide comme ça! Fais ce que je t'ai dit de faire au lieu de me poser des questions. Je suis celle qui te traite. Je n'ai pas le droit de savoir ce qui s'est passé. Je m'étais battu avec Toki. Ok. Pourquoi? Ah, une autre question qui s'ajoute à une autre stupide. C'est quoi? Je t'ai dit, tu me poses encore la question. Je veux savoir quoi? Encore quoi? Si tu as fini à faire ce que tu fais, dis-moi que je te m'embarrasse d'ici. Désolé, oh. Désolé pour toi-même. Aïe! Lentement. Tu te sens mieux maintenant? Oui, fais comme ça c'est un peu mieux. Je suis désolée. Continue. Désolée. Mon mari, je peux te servir ta nourriture? Pas maintenant. Pardon. J'ai besoin de prendre le médicament. La douleur me donne la fièvre. Mes yeux sont en train de tourner. Je me sens malade. Je ne sais même pas comment expliquer. C'est comme
Les coups qu'il m'a donnés affectent déjà mon corps. Va me chercher les antidouleurs. Je n'ai pas d'argent avec moi. Oh. Ah ah! S'il s'agit même d'aller emprunter, emprunte, je vais remettre. Demain, je vais remettre. Hein? Désolé. Tu vas lui restituer demain. Va seulement emprunter. Je n'ai personne pour emprunter. Ma copine James aussi n'a pas d'argent. Idje, tu ne vas pas comprendre. Si tu ne me payes pas ces produits, je vais mourir. Tu veux que je meure? Hein? Je t'ai dit d'aller emprunter, tu refuses. Je ne me sens pas bien. Hein? Papa, quelqu'un d'autre t'a frappé, toi tu veux que maman t'achète les médicaments. Maintenant quand toi tu frappes maman, qui achète pour elle les médicaments? Oh! Hé! Ma fille, c'est le temps d'aller jouer. Va jouer. Que quelqu'un puisse m'emprunter. Hé! Je suis désolée. My love, we are meant to live as one, no matter what it may cost. Come rain, come sun, we go live together. Alors, où serait maman? Elle est allée emprunter l'argent pour acheter les médicaments pour papa. Maman est allée emprunter l'argent pour papa et papa est maintenant calme. Je crois qu'il va changer après avoir subi cette frappe. Tu as l'air inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Maman, Ouba est malade et je m'inquiète. Et s'il est malade, pourquoi t'inquiètes-tu? S'il est malade, laisse-le mourir. C'est comme ça. Pourquoi t'inquiéter? Maman, non, non. Il est toujours mon mari. Oh. Et il s'est battu avec un OK. Et pour cela, OK, l'a vraiment frappé. Maman, il est malade. Il est gravement malade. Oh. Hein? Maman, je veux que tu m'empruntes 500 naira. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? 500 naira. Et comme ça, je peux acheter les médicaments. Moi, t'emprunter mon argent. Pour que tu aies acheté les médicaments pour ces fous. Laisse-les mourir. D'ailleurs, c'est un homme mort. Ah, maman, non. Maman, tu ne fais pas ça pour Obao. Tu le fais pour moi. Mais tu vas bien, non? Es-tu malade? Mais maman, mon mari est malade, non? Je ne veux pas devenir... Je ne te comprends pas vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il te tape, tu es là. Il est malade, tu es là. Mais c'est quoi avec toi? Tu as perdu espoir? Je n'ai aucun argent. Je n'ai pas d'argent pour donner aux gens maman, qui sont non, déjà morts. Maman, pardon mes enfants. Je ne veux pas qu'elles perdent leur papa. Maman, s'il te plaît, non? Il est en train de mourir, maman. Quand est-ce que tu vas me les remettre? Je veux le faire la semaine prochaine. La semaine prochaine. Tu as besoin de 10 naira. Maman, j'ai dit 500. L'argent que je t'ai donné complet, je t'ai remis 500 naira. C'est bon, ne maman. M'amène pas l'argent merci incomplet. Merci beaucoup, maman.
Salut. Bon après-midi. Excusez-moi, j'ai besoin de quelques médicaments avec moi. Vous avez les anti-inflammatoires et les antibiotiques, alors donne-moi. Et tout ça, ça fait 500. Ok, pas de problème. Merci. What have I done to you? We are meant to live as one, live in peace and harmony. Let nobody put us under. Mon mari, s'il te plaît, entre à la maison que tu t'allonges sur les lits. Tu as besoin de repos. Qu'est-ce qui ne va pas? La douleur s'est répandue dans les corps. Je suis désolée. Ne t'en fais pas. Après les repos, tu te sentiras mieux. Donne-moi ta main. Mais attends. Attends que je clarifie quelque chose. Ce n'est pas que demain tu commences à faire ce qui s'est passé aujourd'hui contre moi. Jean, c'est un homme comme toi qui t'avait frappé ces jours-là. Il n'y a personne qui m'a frappé. Si tu oses, avant de dire seulement ton ami, tu sais que je suis un homme qui déteste ce genre de bêtises. Tu me connais. Tu connais ce que je peux faire. Je vais te dire que ce que tu as entendu, ce n'est pas vrai. Ok ne m'avait pas frappé. Il avait utilisé les fétiches. Quand je venais... Tu essaies de te moquer de moi? Non, je ne ris pas. Ok, tu crois que parce que j'ai les douleurs au cou, je ne peux pas... Mon coude me sert à quoi? Je ne ris pas. Ok, c'est bon, lève-toi alors. Lève-toi, on y va. Obi, comment ça va? Je vais bien, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Oui, je suis bien. Oba, s'il te plaît, je suis désolée pour ce qui s'est passé hier. Je sais que c'était de ma faute. Non. C'est déjà le passé. Je ne vais pas garder quelque chose dans ma tête. Surtout quand il ne s'agit pas de quelque chose de sérieux. C'est quelque chose que je devrais gérer, sauf il a utilisé les fétiches. Ces fétiches, tu vois, c'est quelque chose... très efficace. Tu sais, cette fétiche... Bon, ok, ça va, je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux dire que tu n'as rien à faire? Tu as fini le travail pour venir m'observer ici? Ou je ne peux pas avoir encore la visite? Dégage-toi de là! Ok, comme je disais, il avait utilisé les fétiches, alors pour l'instant, je suis bien, il n'y a rien. Donc, je vais bien. Je vais bien. Il n'y a rien. Je vais partir maintenant. J'ai beaucoup à faire. Je te verrai même plus tard. Non. Laisse-moi aller te laisser. Non, attends, je prends quelque chose. Je viens. Ok, je t'attends. Ok. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Attends. Regarde, tu as vu ce que ta fille m'a fait? Elle m'a renversé de la figure. Les piments? Où est-elle? Attends. Attends. Calme-toi. Va chercher d'abord quelque chose qui peut calmer ses yeux. Désolé.
Bonjour, maman. Je suis en route vers ta maison. Je voulais savoir comment tu es allée. Elle m'a parlé de ce qui s'est passé entre toi et Oké. Voilà pourquoi je voulais savoir comment tu es allée. Et c'est moi qui l'avais donné l'argent pour t'acheter les médicaments. Toi? Hein? Tu lui avais donné de l'argent? Hein? Elle m'a dit que tu mourrais. Tu allais mourir d'ailleurs. Oui, maman, comme tu peux me voir, je suis bien. Le problème de Toké, ce n'était pas un grand problème, c'était un petit problème. Tu comprends? Okay. Je vais bien, je vais seulement l'aider. Ok, ta fille est à la maison. Alors, tu peux continuer d'aller pour le voir. Okay. J'aide d'abord celle-ci. Maman, tu dis que tu lui avais donné l'argent. C'est qu'il m'avait acheté les médicaments. Oui. Ok. C'est le piment ou l'eau du piment? C'est le piment mélangé avec de l'eau. Et tu n'arrives pas à voir. Je vais l'aider de la façon dont tu m'as aidé. Ok. Bon allez. Tu es en train de l'aider. Oui, maman. Ce piment-là n'était pas fort. Il faut l'aider. Qui entre vous a renversé ces lots du piment? Maman, pourquoi tu t'inquiètes? Cette dame est la raison pour laquelle tu n'es pas heureuse. Tu allais nous laisser en finir avec elle. Les filles, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Je demande encore, qui d'entre vous a jeté cette eau pimentée? Je l'ai fait. T'as fait quoi? Massi, cette bataille ne pas tienne. Pourquoi tu as fait ça? Mais maman, quand est-ce que tu vas aussi combattre en retour? Je vais la répondre quand je vais trouver nécessaire. Rassure-toi de ne plus répéter ça un jour. Allez-vous deux, entrez dans la maison. Maman, sois la bienvenue. Pourquoi tu es comme ça? Pour toi, le problème ne finit jamais. C'est quoi encore le problème? Je me rappelle t'avoir dit de laisser cet homme mourir. Ça va lui apprendre de ses erreurs. Mais toi, oh non! Il est toujours mon mari. Il va changer. Tu as vu maintenant? Après l'avoir bercé, tu lui as acheté le médicament et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il revient avec la même fille dans ta maison. Tu as compris ça? Il fallait que tu acceptes qu'il meure. Tu as vu ce qui se passe? Regarde maintenant comment tu es là. Assise comme une orpheline qu'on a refusé de donner à manger. Oh, je te remercie, je te félicite pour ton courage. Et tu as versé à cette fille de l'eau pimentée. Félicitations, c'est bien fait. Tu as quand même essayé. C'est pas moi. Hein? Et qui a fait ça? C'est Massi qui l'a fait. Seulement Massi? Aïe! Que Dieu bénisse ma petite fille! Je n'ai même pas envie de te demander où a-t-elle eu ce courage. Je comprends, c'est moi sa grand-mère. Oh, cette fille, elle est très intelligente. Que Dieu la bénisse. Hein? Je t'en prie, oh. Je voulais te supplier pour quelque chose. Hein? Quand il va revenir, qu'il te rende mon 500 naira. Remettez mon argent. On se comprend? Prends ça, tu vas me le remettre. Continue de rester comme ça. Salut tes enfants pour moi. En tout cas, de ce côté-là, je ne veux pas de problème. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Je vais bien. J'espère que ça va. Oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Je voulais seulement savoir comment tu vas. Ok. Ok, comment va Adjie? Elle va bien. Ok, je pars maintenant voir Fred. Aide-moi, dis-la que je la verrai plus tard. Pas de problème. C'est fini, non?
Maman, as-tu vu ta fille? Tu es vraiment un homme inutile. Tu es vraiment un homme stupide. Ma fille a pris soin de toi. Elle t'a bercé quand un homme comme toi t'a tapé comme un bébé à cause d'une fille inutile, Obi. Et jusque-là, tu n'as pas encore compris quelque chose. Tu continues à suivre cette fille partout. Tu es vraiment un tonneau vide. Je l'avais demandé de te laisser mourir. Elle, non. Non. Je dois prendre soin de lui. Quand il va retrouver sa santé, il va redevenir un homme bien. Dans ta tête, tu ne peux jamais être un homme bien. Quand je me suis décidé de l'aider, je lui ai même donné l'argent pour t'acheter le médicament. Un homme inutile comme toi. Et quand tu retrouves la santé, tu recommences tes bêtises. Si tu sais ce qui est bien pour toi, rentre chez toi à la maison, rends-la cet argent qu'elle vienne me le donner. Maman. Je sais pourquoi je te Maman. Oui. De tout ce que tu viens de dire, le seul mot que j'ai ramassé, c'est « je lui ai dit de te tuer ». Tu l'as utilisé comment? Hein? Je lui ai dit de te laisser... De te laisser mourir parce que tu es inutile. Tu n'as pas d'importance. Tu as dit à ta fille de me laisser mourir. Bam. Quel genre de femme es-tu? Quel genre de maman es-tu? Maintenant, je sais que tu y as... D'ailleurs, tu es sorcière. Non, laisse-moi mettre la spiritualité de côté. Oui, laisse-moi maintenant aller physiquement. Donc, tu voulais qu'elle me laisse mourir. Hein? C'est bien ça. Peux-tu imaginer des bêtises qui sortent de ta bouche? Je n'ouvrirai jamais ma bouche pour t'appeler mère stupide. Je ne le dirai jamais. Non, tu m'as déjà appelé stupide. Donc, je l'ai déjà fait. Alors, tu es une imbécile. Regarde, si tu ne veux pas voir la folie d'une femme stupide, quand tu rentres à la maison, donne-lui cet argent qu'elle m'a remis. Si tu ne remets pas cet argent, aïe! Comme tu me permets que je meure, tu veux me tuer. Vraiment inutile. Je me couvre dans le sang de Jésus. Arrête ça, tu es tous en train Il n'y a rien qui peut m'arriver. Je te connais que tu es mon ennemi. Donc quand on t'appelle, vous avez échoué. Quitte-la! Vous voulez me tuer. Tu es vraiment bête. Hey, n'importe quoi. Regarde-moi cette belle-mère. Un homme va encore te taper. Je me couvre dans le sang du Christ. Comme s'il connaissait Dieu. Heya! Hey, toi, tu sais que tu es inutile. Hein? Je te demande. Tu sais que tu es vraiment inutile. Tu es allé dire à ta maman ce qui s'est passé. Tu as dit à ta maman que OK m'avait frappé comme un bébé. Et ce n'est pas tout. Tu es allé demander l'argent à ta maman. Je t'avais dit d'aller emprunter l'argent à ta maman. Je suis désolée. Pousse-toi un peu ici. Pousse encore ici. Je n'avais pas d'endroit où je pouvais emprunter. Voilà pourquoi. C'est pourquoi tu es allé à ta maman? Hein? Tu as commencé à vendre ma personnalité. Mm-mm. Non, je te demande. Tu continues à me disgracer. Un peu de secret. Même si j'en avais un peu, tu allais le dire à ta maman. Hein? Je te demande. Hein? Tu es allé dire à ta maman. Réponds-moi. Hein? Je te demande. Qui t'avait envoyé d'aller dire à ta maman? Je t'avais envoyé. Hein? Je t'avais envoyé. Est-ce que je t'avais envoyé d'aller dire à ta maman? Réponds-moi. Je t'avais envoyé. Pourquoi tu es allé dire à ta maman? Hein? Allez, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Regarde-moi ça. Hein? Vous autres, je vais bouger comme la foudre. Je suis en train de vous bouger comme la foudre. Vous voyez comment vous êtes en train de bouger? Hein? Si je vous laisse, vous irez tomber là-bas. Que ce soit ta dernière fois de le faire. Stupide. Inutile. Inutile. Tu peux imaginer. Tu es ici à manger le pain et du jus. Tu es vraiment un homme inutile. Donc tu as le courage de taper une femme de cette façon. Tu sors ta force, tu la tapes. Comme si tu voulais te battre avec ton ami. Tu n'as même pas honte de toi, un homme. Tu l'avais tapée de cette façon pour qu'elle meure. Oh non. Elle est chez moi à la maison.
Je veux prendre bien soin de ma fille, de la bonne façon que tu l'as fait. Je l'avais demandé de te laisser mourir, elle n'a pas voulu. Regarde comment tu es inutile. Tu es un homme fou. Idiot. Un homme sans pensée. Inutile. My love, we are meant to live as one, no matter what it may cost. Come rain, come sun, we go live together. For better, for worse, we go live together. What have I done to you? We are meant to live as one. Maman, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu l'as laissée toute seule? Non, maman, elle ne sait quoi faire. Moi, je vais aller parler à son mari. Ah, laisse cet homme, laisse-le tranquille. Non, on rentre maman, à la maison. Maman, non, je dois lui parler. Il a besoin qu'on lui parle. J'ai déjà parlé avec lui. Ok, pour l'instant, rentre à la maison, laisse-le. Maman, ne t'inquiète pas, rentre à la maison, laisse-moi faire. C'en est de trop, maman, on doit quand même lui parler, s'il te plaît. T'inquiète pas, je reviens. Sois prudente. Il est où cet homme? C'est lui qui pense qu'on a peur de lui. Oba, où es-tu? Sors d'ici. Sors, j'ai besoin de toi. Tu exagères, Oba. Toi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on a peur de toi? C'est quoi ça? Imbécile, c'est quoi? Je vois, tu as perdu ta tête. C'est quoi ça? Oba, tu m'as frappé. Non, 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 je ne peux pas te frapper. Parce que j'ai frappé ma femme, c'est pourquoi tu es venu me confronter. Tu es vraiment stupide. Tu veux que je t'ajoute encore? Écoute, avant que je compte jusqu'à 3, tu quittes cette parcelle. Oba, tu es un sorcier. Dégage-toi vite de ma parcelle. Folle. D'ailleurs, cette gifle va ranger ta mémoire. Ah ah! Tuer sa femme et il m'a même tapé. Écoute ce qu'il me raconte. En quoi ça me regarde si on t'a tapé? Laisse-moi, laisse-moi, c'est pas ça. Laisse-moi, je veux pas, laisse-moi. Non, laisse-moi. Non, attends, laisse-moi. Merci, j'apprécie vraiment ce que tu as fait. Pourquoi nous sommes amis? C'est pour s'entraider. Mmh. Maman est là. Sois la bienvenue. Au... Oh, maman. Ah, Joyce. Maman. Tu es venue nous voir aujourd'hui. Oui, oh. Merci de visiter ta copine. Oui, je suis venue voir mon amie. Bienvenue. Merci, maman. Oh, vraiment. Maman, j'ai réfléchi. Tu ne penses pas que... C'est le meilleur moment pour que je rentre dans la maison de mon mari. Tu souhaites quoi? Tu es stupide? Toi, tu as vraiment un mari? Si tu n'as rien à réfléchir, entre à la maison, va dormir. Ne t'en fais pas. Ces enfants-là, j'irai les chercher le soir. Regarde-la. Tu as la force d'aller là-bas. Ije, maman a raison. Écoute, si tu oses rentrer dans la maison de ton mari, crois-moi, il risque de te tuer. Si jamais tu restes ici, ça va lui donner l'opportunité Merci. De changer. N'ajoute rien, ferme-la. Entre à la maison, va dormir.
va t'allonger, dors. Si c'est moi, tu n'as rien à dire. Choi, ma chérie, maman, aide-moi à préparer au pour que celle-là puisse manger. Il n'y a pas de problème, maman. Je vais le faire. Je suis sûre qu'elle a faim. Aller voir quelque chose. Va faire quelque chose pour qu'elle mange. Oh, ne m'appelle pas maman. Pardon, c'est pas bien que je reste ici. Marie, que c'était tu-même. Que je te vois sortir de ces portails et on verra. N'importe quoi. Va dormir. Tel que tu es là, hein? Sois à l'aise. Que ce soit les matins, les après-midi, les soirs, même la nuit, peu importe à quelle heure tu voudras venir ici. Tu es libre, c'est ta maison. Imagine un peu comment la nuit de ta femme avait sauté sur moi. J'espère que cette fois-ci, ton enfant va pas me tuer. Non, à ce qui concerne mes enfants, regarde-les, sont des enfants innocents. Oh, parce que tu les vois en train de faire des grimaces. Oh, ça c'est rien. Sont des enfants normaux et c'est comme ça que tous les enfants se comportent. Tu comprends? Non, cela dépend de leur âge. Il n'y a rien, hein? Tu n'as rien à craindre. Mais tu vois, Joyce, l'ami de ta femme, ce que je vais la faire, je vais très bien regarde, la corriger. Tout ce que tu veux faire d'elle, je te soutiens parce que je connais leur force. Je connais qu'elles ont toujours un comportement maléfique, y compris même la maman. Tu penses que je ne sais pas? Je connais bien leur comportement depuis très longtemps. Je sais. Toi, tu penses comme si je ne sais pas? Je connais leur plan, mais ça ne tiendra pas. Léo. Impossible. Amen. Je les ai vus chez l'homme lorsque je venais. Tu vois, elles ont échoué. Tu vois, ce que je vais, je connais leur plan. Bientôt, elle me dira, viens laisser ma fille. C'est alors que je vais célébrer. Parce que je veux qu'elle vienne prendre sa fille. Pour qu'elle me remette la dot, je vais l'utiliser à faire autre chose. Parce que comme tu me vois là, je cherche l'argent. Oublie à propos d'argent. Ne t'inquiète pas pour ça, on aura l'argent ensemble. C'est ça la femme. C'est ça la femme. Nous deux pour toujours. J'ai soif. As-tu de l'eau? Bien sûr, j'ai de l'eau. J'ai de l'eau. Vas-y, prends de l'eau à l'intérieur. Non. Toi, vas-y, ramène-moi de l'eau. Pourquoi? Tu ne veux pas entrer? Je t'ai dit que c'est ta maison. Sois libre. Je sais que c'est ma maison, mais il y a quand même des gens tout autour de moi. Regarde les personnes lesquelles tu parles. Regarde comment ils jouent. Tu sais quoi? Je vais te prouver maintenant. Merci. Vas-y, viens. Papa t'appelle. Tu disais qu'elle va refuser. Elle est là. Merci, va apporter de l'eau à boire à ta tante. Viens avec de l'eau à boire ici. Une fois. Tu sais que les enfants réagissent par rapport aux humeurs. Peut-être ces moments, ils se comportaient un peu mal. Pour les moments, laisse-les jouer par terre. Elles se retrouvent, elles sont contentes. Ce n'est pas comme ça. Sois à l'aise, c'est tes enfants aussi. C'est quoi ça? Ce n'est pas de l'eau? Merci. Ah ah, ah ah. Il est là, si tu finis à prendre de l'eau, tu lui remets les gobelets. Hey! C'est le poison pour souris. Tu as vu maintenant? C'est quoi ça finalement? C'est quoi avec cet enfant? Ah, ah, ah! Tu as vu ce que je te disais? Ces enfants ici, elles ne sont pas gentilles. Ah, ah, ah! Merci. Grand-mère. Il y a un problème. Pourquoi vous êtes tous dehors? Merci a donné à une personne le poison pour souris. Ah, qui est-ce? La petite amie de papa, elle est à la maison. La copine de votre papa? Oui. Vous lui avez donné le médicament de souris? Hey! Que Dieu te bénisse. Vous réfléchissez comme votre grand-mère. Ha! Vous lui avez donné le poison pour souris. Oui. Applaudissez pour vous-même. Mes enfants intelligents, vous avez très bien fait. Je partais vous chercher pour qu'on aille chez moi à la maison. Allons-y. Donc c'est une souris. Je pense que vous avez fermé la porte. La souris ne va pas nous suivre. Hey, j'ai des petites filles intelligentes. Tu vois maintenant ce qu'il y a. Tu ne peux pas rentrer dans cette maison. Tu vois cette maison? C'est la maison de ton père. C'est le moment que tu puisses utiliser cet espace. Parce que c'est la maison de ton père. Tu n'iras plus dans la maison de ces démons. Tu m'as comprise? Maman, il y a une chose que tu ne comprends pas. Quoi? Bon ou mauvais, il est toujours mon mari. Nous sommes légalement mariés et voilà nos enfants.
Et si tu entends parler, tu es raisonnable, tu es malade. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta cervelle? Tu veux retourner là-bas? C'est quoi mon problème? Si tu trouves que tu dois retourner là-bas, c'est bien. S'il t'est tué, je viendrai là-bas prendre ton corps et enterrer. C'est tout ce que je peux faire. Maman, Oba ne peut pas me tuer. Il ne peut pas me tuer. Il va te tuer si tu rentres là-bas. Ma petite fille, que Dieu te bénisse. Oh. Est-ce que tu sais ce qui allait se passer? Si Joyce n'était pas venue ce jour-là, tu as pensé un instant à ça? C'est parce que tu as envie, tu as le courage de dire ce que tu es en train de dire. As-tu déjà pensé à ce qui allait arriver? Que je te vois partir là-bas et tu verras. Maman, aucun mariage est parfait. Ferme-moi ta bouche! Moi. Elle dit ça à ma présence. Stupide que tu es. Ce n'est pas Hitler. Ce n'est pas Hitler qui lui avait jeté. Mais maintenant, là, je n'ai pas un mot à te dire. Il y a une seule chose dont je vais te dire. Tu vois, tout argent que j'ai dépensé pour elle, j'ai besoin que tu rassembles tout et me le remettre. Tu es vraiment fou. Combien as-tu payé? Regarde, si tu ne partais pas ici, je vais te jeter de l'eau. C'est à cause de ça que tu peux amener n'importe quelle fille chez toi à la maison. Ça te concerne à quoi? J'amènerai toute femme que je voudrais. En plus, j'amènerai une femme plus belle que ta fille. Oui, celle qui... Et tu parles aussi? Regarde comment tu empoisonnes et tu me regardes comme une folle. Tu crois que ta maman t'aide? Elle te défend, mais elle a bloqué partout. Tu es là en train de me regarder. Ne t'en fais pas. Tu verras ce que je ferai de toi. Je crois que je suis clair avec vous. Je vais dire que c'est très clair. Telle mère, telle fille. Entre là et donne-moi mes enfants que je parte. Mais là, je t'arrête. Quel enfant? Tu iras avec aucun enfant de cette maison. Si tu sais comment chercher une femme qui va te laisser libre, cherche des enfants qui vont te laisser libre pas à la problème, maison. Fais ce que elles tu veux. N'iront pas de problème, je pars. Vas-y. Tu crois que je vais mourir? Je ne vais pas mourir. Toi, tu prends soin d'eux. Pas de problème, mais rappelle-toi ce que j'ai dit. Cet argent que j'ai payé pour elle, j'ai besoin de me le remettre. Adi, quitte cet endroit. Quoi. Combien as-tu tu payé? Vois, toi, j'ai tout réglé. Tu amènes aussi ton corps pour venir chercher ta femme et les enfants, comme si tu savais en prendre soin. Maman. Un homme sans valeur. Quoi? C'est bon, il est déjà parti. Karamlok! Un homme minutique que je te vois encore entrer dans cette parcelle, tu verras ce que je vais te faire. N'importe quoi. C'est papa, il est sucré. Tu l'as dit, oh. C'est vraiment sucré. C'est toujours dur. Non, c'est pas du tout dur. Il y a beaucoup de grains. Quand tu étais petite, tu en mangeais. Maman, moi, je peux pas manger ça. Oh. C'est traitant. Oh. Je t'ai dit, le grain sont traitants. C'est pas vrai. Ça traite aussi la malaria. Maman, ça fait de moi maintenant. Tu ne penses pas que je devais retourner dans la maison de mon mari avant qu'une autre femme me prenne mon mari? Et d'ailleurs, la rentrée, c'est pour la semaine prochaine. Les enfants doivent retourner à l'école. S'il faut que tu rentres, il ne vient jamais te demander. Est-ce qu'il vient même te rendre visite? Pourquoi tu te déranges comme ça? Les enfants vont reprendre le cours à partir d'ici. Actuellement, ils sont dans l'école communautaire. Maman, Oba a besoin de moi. Il a besoin de ses enfants. Je les connais parfaitement. C'est juste qu'il est trop ambu de lui-même. Et cette fierté-là, c'est ce qui fera qu'il n'avance pas dans la vie. Il ne deviendra jamais riche dans cette vie. Idiot qu'il est. Il n'est jamais ici pour te chercher. Il ne viendra pas. Il est très à l'aise de là où il est. Et je pense qu'il a déjà épousé cette fille-là. Qui, Ouba? Maman? Ouba ne va jamais épouser cette fille. Elle perd son temps. Qu'est-ce que tu sais? Je connais juste. Son problème est juste pour demander pardon. La fierté. Cette fierté va les tuer. Il serait mieux qu'il part à épouser cette fille. Tu ne rentreras pas dans cette maison-là et les enfants vont grandir ici. Laisse-le avec sa fierté. La fierté. Maman, stupide fierté. S'il te plaît, tu dois lui pardonner. C'est toujours mon mari. C'est toujours ce que tu dis. Est-ce qu'il vient ici pour te chercher? Laisse-lui tranquille, il est à l'aise là où il est. Fais-moi l'autre morceau de papaye. Tu veux me parler de Marie? Tu es ma fille.
Joyce, j'explique à maman que j'ai besoin de retourner dans ma maison. Mais maman ne veut pas. Je suis fatiguée de rester comme ça. Je n'arrive plus. J'ai besoin de retourner chez mon mari. Avant qu'une autre femme vienne me prendre mon mari. Je ne veux pas de ça. Bon ou mauvais, je suis prête de rester avec lui. Je ne veux plus me plaindre. Oba t'avait presque tué. Ça fait plus d'un mois maintenant. Tu devrais te calmer. Il y a beaucoup de femmes qui ont quitté la maison de leur mari pendant des années et ils attendent toujours leur mari. Ils finissent toujours par revenir. Alors je crois que un jour, Oba finira par venir. Joyce, qu'est-ce qui va se passer si c'est marié avant 7 ans? C'est ça ma crainte. Ne t'inquiète pas. S'il avait envie d'épouser Obim, il allait le faire depuis longtemps. Alors je crois qu'il t'aime encore. Je sais que c'est pas facile. Mais tu sais quoi, j'avais vu Obi aujourd'hui. Je pense qu'il était allé voir Oba. Peut-être qu'il part lui rendre visite, non? Mais à ce qui me concerne, je m'étais dit, je ne veux plus me battre ou pleurer à cause de lui encore. Il ne mérite pas mes larmes. Maintenant, tu as bien parlé. Attends. Prends. Ça, c'est quoi? Solo t'a envoyé 20 minéras. Ah, Joyce, tu sais que ça, c'est pas juste, non? Je suis une femme mariée. Je ne peux pas accepter les cadeaux de notre homme. Je sais que tu n'as pas tort, mais tu dois prendre cet argent. Tu en as besoin pour maman. S'il te plaît, prends ça. Tu es sûre? Ok. Merci. Ok, laisse-moi t'accompagner. Hey. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Je vais bien. Où vas-tu très tôt comme ça? Oui, justement, je me suis décidé que je dois commencer un peu à travailler. Alors, je m'en vais au champ. Okay. Oui, oui, le champ est grand. Tu vois, je ne peux pas l'abandonner comme ça. J'ai déjà commencé à les cultiver. J'ai déjà fait le sarclage. Alors, je m'en vais enlever les herbes et autres choses. Alors, Dieu merci, comme tu es là, partons ensemble. Non. Je ne peux pas te suivre au champ. Je n'aime pas travailler au champ. Hein? Oba, je ne suis jamais partie avec mon père ni ma mère au champ. Je ne saurais pas te suivre au champ. Attends un peu. Tu veux dire, depuis ta naissance, tu n'as jamais allé au champ? Pas vraiment, mais c'est juste que je n'aime pas les champs. Je n'aime pas travailler au champ. Ah, écoute, je serai chez moi à la maison. Hein? Je reviendrai plus tard, s'il te plaît. Prends soin de toi. Je t'aime beaucoup. Allez, vas-y, hein, je te verrai plus tard. Hein? Ah, ah. Vraiment, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Jamais Idi, ma femme, n'a jamais répondu ou réclamé comme ça.
Merci beaucoup pour l'argent que tu m'as envoyé. Oui, je veux bien maintenant. Mais je suis toujours chez ma maman. Non, je ne vais pas rentrer. Je ne sais pas où. Je ne l'ai pas vu, ça fait plusieurs mois maintenant. Mon frère, c'est mauvais, oh. Oh, espérons qu'il va changer, oh. Quoi? Tu vas revenir demain? Waouh! Je suis impatiente de te voir. Oui, maman va bien. Ok, merci. Ok, bye. C'est qui? Ah. Maman? Tu écoutes maintenant mes appels? Là, tu n'as pas répondu à ma question. Qui est-il? Ijoma, tu as un amour secret quelque part, c'est ça? Non, c'est Solo, le meilleur ami d'Uba. Donc, c'est lui qui a envoyé tout cet argent. Il devait, c'est ça? Maman, je ne sais pas de quoi tu parles. Mmh. Tout ce que je sais, c'est un homme bien. Ije. Ije, sois tranquille. Oh. Tu es une femme mariée légalement. Je ne sais pas de quoi tu parles, Ije. Qu'est-ce que je vois là-bas? Hein? Ah, oh, vraiment? Regarde-toi! Oui! Tu es tellement... Bouf. Mais comble, c'est que la vie de la cité nous transformait beaucoup. Hein? Solo n'est plus le villageois que tu as toujours connu. Et c'est vrai, tu sais que la première chose que la cité va faire, c'est vraiment te changer ta tête sur plusieurs plans. Hey, la vie, oh. Et toi aussi, tu... Et je ne parais pas très mal que ça. Ah, allez, c'est comprendre, et c'est si mon village. Mais tu ne l'as pas informé que tu viens aujourd'hui? Le comble, c'est que j'avais informé à ton ami IJ. Et c'était présumé. Lui informer veut dire t'informer. Non, oui. On ne s'est pas vu ces jours ici. Hein? Bon, ce n'est pas si grave. Maintenant, je dois déjà partir. Hein? Que je finisse avec eux et on verra. Mais tu as amené quelque chose pour elle. Beaucoup de choses. Non, je ne dois pas faire la maison. Beaucoup de choses. Non, on va se voir après. Au revoir. D'accord. Oh mon Dieu. Oh. Ah ah! Solo? Mon ami Solo! Ah, Solo, tu es devenu beau! C'est vraiment sérieux! Je suis maintenant un citadin! Grand homme! Alors, entre à l'intérieur! Entre à l'intérieur! Non, pas à la maison! À l'intérieur, il fera très chaud! Alors, ok, assieds-toi! Comment ça va? Oui, ça va très bien, comme tu peux le voir! Non! C'est clair! Mena, je suis vraiment content de toi. Oui. Vraiment, dis-moi s'il te plaît, comment est-ce que tu es en train de continuer à croupir dans ce village? Ah. J'ai appris ce qui s'est passé et comment tu l'as frappé de manière abusive, comme tu le faisais auparavant. Et elle a pu faire ses affaires, elle est sortie de la maison pour aller dans l'appartement de son père. Hein? Je me rappelle que j'avais beaucoup plaidé plusieurs fois même, que tu puisses à chaque fois essayer de t'apaiser quand tu es avec elle. Je sais. Mais tu vois que cette femme, elle fait toujours les choses qui me donnent de la colère. Hein?
Alors, je t'avais dit que si elle te provoque, la meilleure chose à faire, c'est d'aller en tant qu'homme dans son foyer. C'est de lui laisser la maison, aller au bar pour prendre la bière. Je n'ai pas oublié. Uh-huh. Non, je n'ai pas oublié. Mais la chose est que... Bon, moi, je pense pas que ça sera nécessaire. Au bas, je ne pense pas que tu sois en train de faire quelque chose de très signifiant dans ce village. Oui, je pense que tu perds ton temps ici. Et tu en perds beaucoup dans ce village. Et voilà, je te suggère d'aménager à la cité. Je vais t'aider à trouver un bon job. Et tu peux relancer ta vie fraîchement. Oui. Quitte-la, ne te moque pas de moi. C'est quoi cette histoire d'aller recommencer encore la vie? Que je laisse les champs et partir en ville pour faire le travail que tu me proposes. Pour tes informations, laisse-moi te dire. Ce sont les paresseux qui quittent le village pour aller en ville afin de faire le travail que tu fais là. Au moment où tu as l'aimé et tu peux cultiver le champ. Mon frère, je sais que tu es mieux là-bas. Fais ce qui est bon pour toi et que je fasse ce qui est bon pour moi. Et tu es en train de me traiter d'un paresseux parce que je viens à la cité. Tu te connais déjà que tu es un paresseux. C'est ce que vous êtes en train de faire là-bas, non? Tu es là, signe ici, fais ça. Les travaux manuels. Donc tu es en train de me dire que un bon monsieur, tout ce qu'il doit faire, c'est des travaux manuels. Aller faire le champ des mains comme un lion. Toi, tu n'es bon qu'à frapper les femmes. Hein? Pas jusque-là. Hein? Dis-moi un peu, tu es venu avec quoi? Par rapport à cela, j'ai apporté beaucoup de choses. Comment déjà les partager au lieu de faire les bouts inutiles? Mon cher ami. À la maison pour prendre ce qui est à toi. C'est toi. Oh, Solo, c'est bien toi? Oui, c'est moi. Ah. Regarde-toi. Viens. Mets-toi là. Je suis désolée de la façon dont je t'ai embrassé. Je suis juste heureuse de te voir. Je suis heureuse de te voir aussi. Et tu parais très mignonne. Oh, je te remercie. Merci pour tout l'argent que tu m'avais envoyé. Bien. J'avais vraiment aimé. Oh, mais toi, je peux te servir de l'eau? Non, je vais bien. Je voudrais que nous discutions quelque chose de très important. Oui. Ok. Et quels sont tes plans envers ton mari, Moba? Solo, je sais pas où. Je suis d'abord ici avec mes enfants. Et ma mère insiste que je reste. Et voilà, je suis là. Ne penses-tu pas que ce serait une meilleure idée si tu laissais tes enfants ici avec ta maman, puis venais avec moi à la cité? Je vais t'aider à trouver un bon boulot. Et tu vas commencer une nouvelle vie. Solo, tu es un homme bien. Si j'avais l'occasion de retourner en arrière, j'aimerais t'épouser. Mais tu vois, je suis une femme mariée. Je ne peux pas abandonner ma maison pour aller à la ville et une autre femme puisse prendre mon mari. Non, ça je ne peux pas. Je sais que moi et Ouba avons toujours eu des problèmes. Malgré tout ça, il n'a jamais pris mes affaires pour le mettre dehors. Nous devons juste vivre comme ça. Bien, si tu penses que rester au village est la meilleure option pour toi, qui suis-je pour te forcer à venir à la cité? Mais alors, je crois toujours que venir à la cité avec moi, afin de trouver un travail, serait la meilleure des choses. J'apprécie vraiment ta bonne volonté. Mais... j'ai juste de la ferme conviction que Dieu fera bientôt quelque chose dans ma vie. Ça va aller. Maman. Oh, mon cher. Bon après-midi, maman. Hey! Comment vas-tu? Je vais très bien, maman. J'apprécie. J'aimerais te remercier pour tout ce que tu fais pour ma fille. C'est Dieu-là. Va te bénir. Amen. Maman, merci beaucoup. Attends que je te serve quelque chose. Tu l'as pas fait? Oh non, maman, je vais très bien. Je préparais la sauce du poisson, c'est maman, tellement fraîche. Maman, je vais bien. Tu vas bien? Très bien, maman. C'est une bonne chose. Il a dit qu'il n'a besoin de rien. Ok, suis derrière. Maman. Merci.
Dis-moi un peu, donc tu veux dire que tu disais tout à ta maman à propos de l'argent que je t'ai envoyé? Bien sûr, je serais ingrate si je ne l'avais pas dit. Maintenant, regarde comment tu es. Dis-moi un peu comment ça va là-bas. Oui, comme tu peux le constater, les choses sont passées très bien. EJ, je ne comprends vraiment pas qu'est-ce qui se passe entre toi et ton mari Oba. Solo t'aime. C'est un bon gars. Il t'avait aidé. Et maintenant, il te donne l'opportunité. Pas n'importe quelle opportunité, mais une très bonne opportunité d'aller en ville. Non, tu refuses. Qu'est-ce qui se passe? Joyce, sois sage. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. J'aime Solo. C'est une bonne personne. Je ne refuse pas. Mais je suis une femme mariée. Tu ne peux pas m'imaginer que je puisse courir derrière le meilleur ami de mon mari. Que diront les gens? Ou tu veux me dire que si tu étais à ma position, tu allais accepter? Pardon, je ne peux pas faire ça. Écoute, peut-être si je mourais et revenais dans ce monde et je lui croisais. Comme ça, je peux l'épouser. Mais pour maintenant, je ne peux pas. Alors, tu veux dire que tu vas rentrer chez ton taximètre de mari? Oui, oh. Mais je ne sais pas quand. Ma maman dit que j'attends qu'il vienne vers moi. Mais, pardon, le moment que j'attends que ça arrive, je ne veux que personne essaye de planter une mauvaise graine en moi. Pardon, je ne veux pas. EJ, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta tête. C'est juste que... je te parle comme un ami. Je veux juste que tu ouvres tes yeux pour voir l'opportunité qui se présente. L'opportunité? Oui. Merci. Et ça ne vient qu'une seule fois. Merci beaucoup pour tes conseils. Merci. Tu me remercies? Oui. Pas de problème. Que j'épouse Solo. Va l'épouser. Je vais épouser mon business. Je pense que c'est vraiment très désolant de voir des choses comme ça. Et un homme qui prend plaisir à frapper sa femme. Oh bien... à ce point, je pense que je fais tout ce que je pouvais, et tout ce que je pouvais de possible. Alors, je pense que je dois seulement les laisser avec leurs bêtises. Solo, je te comprends, tu n'es pas fautif. Je ne sais pas comment EJ ne veut pas voir tous tes efforts. Mais elle insiste qu'elle est une femme mariée, et elle est mariée pour la vie. Je pense même pas que j'ai encore la force de commencer à remuer cette affaire. Non, je n'ai pas ce temps. Je pense que je dois juste la laisser. Abandonner son propre sort. Laisse-la souffrir. Et elle parle toujours qu'elle a des sentiments. Et un grand espoir que Oba va changer avec le temps. Oba que je connais. Oba que je connais. Un homme violent, un homme agressif, un homme qui frappe les femmes. Il y a un temps pour toute chose. Je prie seulement qu'il ne soit pas trop tard pour elle. Je prie aussi. Une chose de plus. Je vais partir pour la cité. Déjà demain matin. Parce que ma présence est vraiment voulue au bureau. Et quand je partirai, je voudrais que tu puisses garder un œil attentif sur eux. Il ne faut pas laisser Oba tuer sa femme. C'est comme ça que tu seras une bonne amie pour elle. Je vais essayer, je ferai de mon mieux. Solo, tu es un bon gars. Je t'apprécie beaucoup. Merci pour tout. Ce n'est rien. Continue comme ça. Ce n'est rien, ce sont de très petites choses que tu ne peux pas même évoquer ici. C'est absolument rien. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, garde un œil attentif sur eux. Pour que Oba ne les tue pas. Et ce sont des gens qui ne s'aiment pas trop bien. Garde un œil attentif sur eux. C'est tout ce qu'il faut faire. Quand tu vas revenir. Et ça ne sert à rien que tu parles d'autres choses. Garde un œil sur eux. Dès que tu vas revenir, tout sera mieux. Mon cher Solo. Oba. Comment ça va? Je vais bien. Je te vois avec les sacs. Tu ne m'as pas dit que tu devrais quitter aujourd'hui. Le problème, c'est que je n'avais pas préparé quitter ici aujourd'hui. Et j'ai reçu un appel urgent venant du bureau que ma présence est vraiment voulue. Malgré que je savais que je devais t'appeler du moment où je voudrais rentrer à la cité. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas du tout un problème. Non, pas de problème. Pas de problème. Si tel est le cas, vraiment. Bonne route. Alors, s'il te plaît, prends vraiment soin de toi et prends soin de ta femme. Oh non. Ce n'est pas un problème. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller. Prends soin de toi. Ok, au revoir. Hey! Hey!
Oba. Bonjour maman. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Es-tu à la maison? Non, il y a un problème. Maman, Oba a été piqué par un serpent au champ. Je l'ai amené à la maison. Et en le voyant, le poison doit être déjà allé loin. Et si on ne le traite pas, il pourrait mourir. Et s'il vous plaît maman. Et c'est quoi mon problème? S'il est mordu par les serpents, s'il doit mourir, qu'il meure. C'est quoi mon problème dans tout ça? Alors merci maman, je dois rentrer au champ. Pars, continue ton chemin. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Alors, qu'allons-nous faire? Je ne pense pas qu'il va mourir. Pouvons-nous partir lui visiter? Nous n'allons pas l'informer. Allons-y. Ma chère, si tu trouves que tu veux rentrer chez ton taximène de Paris, bien, un jour, Solo sera à moi. Bonne chance à toi. Je l'aime, c'est un homme bien. Mais tu peux voir, moi, je ne l'ai pas pris. Hein, tu sais, vous allez faire un beau couple. Mais je me demande quand est-ce qu'il me le dira. Ma chère, il serait mieux que tu lui parles. Tu le connais, il a toujours planifié. Mais c'est qu'il a toujours planifié. Il planifiait venir te parler avant qu'on bat. Mais voler. Tu peux t'imaginer. Solo. Mon ami, oui. Je dois m'arrêter ici. Hein? Je dois rentrer, je faisais la lessive. C'est bon, on se voit après alors. N'oublie pas, oh, il faut lui dire. Oh. Ije, d'où viens-tu? J'étais partie voir Joyce. Oli s'était venu ici te chercher. C'est comme s'il a dit que le serpent mordit au bas, au champ. Et c'est lui qui lui a ramené à la maison. Le serpent? Oui. Comment est-ce qu'il a dit ça? Oh? C'était vraiment mauvais. Oh. Et d'ailleurs, il a dit qu'il est déjà dans le coma. C'était vraiment mauvais. C'est ce qu'il a dit. Il est inconscient. Maman, cela voudrait dire que c'est un serpent venimeux. Maman, tu es ici. Tu veux qu'il meure? C'est pas ce que tu veux. C'est quoi mon problème? Suis-je le serpent? Pourquoi tu me regardes comme ça?
Maman, il est toujours mon mari. Je ne suis pas prête à devenir veuve. Comment est-ce que tu peux rester là? Tu sais bien que tu peux les sauver, mais tu ne fais rien du tout. Je n'ai rien fait. Et toi, tu veux faire quoi? Je pars lui rendre visite. Tu veux faire quoi? Où sont mes enfants? Je croyais qu'ils étaient là en train de jouer. Je pense qu'ils sont de l'autre côté. Maman, je t'en prie, cherche mes enfants. Je viens ici, tu vas regretter ce que tu fais maintenant. Où vas-tu? Regarde-moi cette petite fille. Elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Yeah! Of love, I don't enter part of soup. I don't know say love will day like this, yeah. This love will don't kill me, yeah. If they love will make me fall, I'm not caught, yeah. When I never, only if I'm back, yeah. As I'm can do, yeah. Only if I'm back. Papa, s'il te plaît, réveille-toi. Papa, réveille-toi, papa, s'il te plaît. Papa, réveille-toi, non? Papa, papa, réveille-toi. Papa, s'il te plaît, réveille-toi, nous sommes là. Nous sommes là, réveille-toi, papa. Papa, s'il te plaît, nous sommes là, papa. Réveille-toi. Maman, nous sommes venus prendre soin de toi, papa. C'est sérieux. Réveille-toi, papa. Nous sommes là. Nous sommes là, papa. Papa, vous savez quoi? Restez ici, regardez votre père. Je reviens, d'accord? Maman, il est mort. Qu'est-ce qu'il y a alors? Non, non, non. Maman, s'il te plaît, je veux que tu viennes avec moi, avec tes médicaments des serpents. Sinon, il va mourir. Il faut que je meure pour que moi, je puisse prendre mes mains, toucher au bas. Pourquoi? Laisse-les mourir, qui s'en fait? Ça, ce sont de bêtises que moi, j'aime les traiter. Maman, je t'en prie, s'il te plaît, maman. Maman, s'il te plaît. Maman, ce n'est pas ton mari. Tu n'as jamais compris ça? Maman, il n'est pas ton mari. Laisse-moi les traiter. Maman, s'il te plaît, je l'aime. Je n'ai pas envie de devenir veuve. Je ne veux pas que mes enfants perdent leur papa. Honnêtement, je ne comprends pas quel genre de femme es-tu. Un homme qui a voulu te tuer. Et c'est pour lui que tu t'as genu pour me demander pardon. Es-tu raisonnable? Je n'irai pas là-bas, je ne veux pas les traiter, ça c'est tout. Qu'il meure. Même pour tes petits-enfants, maman, je t'en prie, maman. Maman, je suis ta fille, oh, ta seule fille, oh, maman. Tu es envoûtée. Maman, s'il te plaît, je t'en prie. Maman. Laisse mes pieds, pardon. Entre là-bas, tu vas trouver une bouteille. Tu amènes ça. Tu es là prier pour un homme qui a voulu te tuer. Et tu t'as gênu même pour que tu ailles les traiter. Mais tu es sous la malédiction ou quoi? Ok, c'est toi qui parles là-bas. Moi, je n'irai pas où. C'est bon, maman. Tu vois là au coin, ces jeunes plantes-là. Tu cueilles ça, tu mets ça dans ta bouche. Tu extrais les poisons avec. Et dès que tu finis, tu prends le même feuille. Tu le mets à la plaie, là où le serpent avait mordi. Tu as compris? Et tu prends ça aussi, tu appliques là et tu me ramènes ma bouteille.
Ok, maman. Merci. Ne casse pas ça en route. Oh. Regarde comment elle court. Better for us, we gon' live together. What have I done to you? We are meant to live as one, live in peace and harmony. Make nobody put us under, but you are treating me so bad. A person where I love, now him they treat me like this because of love. I don't enter part of soup. I know no say love would day like this, yeah. This love would don't kill me, yeah. If they love and make me fail, I'm not cordial. We're never. Qu'il ira mieux. C'est maman qui m'a dit à propos de lui. Ça ira parce que nous étions là. Et Jay, tu as un bon cœur. Après tout ce qu'il t'a fait, te voilà lui porter de l'aide. Eh, mon ami, sans te flatter, tu as un bon cœur. Qu'est-ce que je peux faire? C'est mon mari. Et je ne suis pas prête à devenir veuve ici. Que Dieu nous épargne. Ije, tu es ici? Comment t'es senti maintenant? Bien. C'est toi qui m'avais amené à la maison? Non, c'est au lycée. Mais tu m'as traité. Oui, je le fais. Je suppliais maman pour ses médicaments et elle m'a donné et je t'ai traité. Idi, je suis désolée. Je suis désolée pour toutes choses. Je te promets de ne plus lever encore ma main sur toi. Pardonne-moi. Oba, mon mari, je t'ai déjà pardonné avant ces jours. Merci beaucoup. J'ai faim. Pardon, peux-tu me préparer quelque chose à manger? Ok, je vais le faire. Ah, Edje, je te laisse préparer quelque chose pour lui. Merci. Je suis très contente pour lui. Merci. Arrête. Viens t'asseoir. Obi, je te conseille de bien rentrer à la maison. Comme tu le vois, ma femme est rentrée à la maison et nous sommes heureux d'être ensemble. Je ne veux aucun problème. Ce que je t'ai montré, ce n'était pas l'amour. C'était une perte. Alors je ne veux pas qu'on vienne encore déstabiliser la paix que nous avons en famille. Tu vois comme nous sommes là? Nous voulons bien manger en famille. Je ne veux plus de problèmes. Je vais faire ce qui me donne la paix. Le conseil que je peux te donner maintenant est de rentrer chez Oké. C'est ça la meilleure chose à faire. En tout cas, quitte ma maison. Oba, c'est moi Ifi, c'est moi Obi. Tu vois, j'ai oublié même ton nom parce que je suis confus. Alors, tu peux t'en aller, pardon. Laisse-moi vraiment rester avec ma Oba, famille, pardon. Tu es un homme inutile. Tu es un homme inutile, je ne sais même pas comment... Hé! Stop là! Un mot encore venant de toi contre mon mari. Tu vas regretter le fait de venir dans cette parcelle. Toi, une fille sans valeur. Allez, maintenant, quitte de cette parcelle. Je te demande de quitter. Hé. Hey, qu'est-ce qui te fait rire? Je ne t'ai jamais vu se fâcher jusqu'à ce niveau. Hein?
mon mari. Par moment, tu dois t'élever et réclamer ce qui te revient. Ouba, encore cette fille? Maman, pardon, je suis désolé pour toute chose. Je suis désolé pour manque de respect et insultes. Pardon, trouve la place dans ton cœur, pardonne-moi. Je te promets de ne plus le répéter. Pardon, maman. Maman, s'il te plaît, pardonne-lui. Il a changé maintenant. Oh, bah, je t'ai pardonné il y a longtemps. Approche-toi de moi. My love, we are meant to live as one, no matter what it may cost. Come rain, come sun, we gon' live together. For better, for worse, we gon' live together. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. What have I done to you? We are meant to live as one, live in peace and harmony. Make nobody put us under, but you are treating me so bad.